Baisse de prix à la pompe. Explication du président du GPGLSS. Jean-Martin Rakoutzaf, président du groupement pétrolier des gérants libres de stations-service au GPGLSS, trouve normal la baisse de prix à la pompe. Faut-il rappeler que différents paramètres doivent être pris en compte dans la détermination des prix à la pompe, à savoir le prix du baril, le taux de change, le coût du transport, les taxes, ainsi que les marges commerciales. Les prix affichés depuis le 15 janvier dernier sont de 3350 alliages pour l'essence, 3090 alliages pour le gazole et 2320 alliages pour le pétrole lampant. En 2011, le prix du baril était de 110 dollars, s'il avoisine aujourd'hui les 28 dollars. Les prix actuels dans le pays se rapportent au prix du baril d'il y a 2 mois. Si la vérité des prix est bel et bien appliquée, il devrait y avoir de nouvelles révisions à la baisse. Toutefois, selon ces dires, il y a également les impératifs de l'État pour ne citer, à titre d'exemple, que les manques à gagner au niveau des recettes douanières.